Ça, c'est peut-être un bonheur d'expérience, mais c'est pas pareil. Hello tout le monde, c'est Seaside et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle découverte démo sur Payday 2. Alors je tiens à préciser à l'heure actuelle, en fait, j'ai envie de vous faire... Je vais commencer par le début, hein, ça va être plus clair. En fait, j'avais envie de vous faire la démo de Payday 2, sachant que j'ai l'abonnement PlayStation Plus. On est au mois d'avril... à l'heure actuelle, enfin fin mois d'avril à l'heure actuelle, et au mois de mai, eh bien pour les abonnés PlayStation Plus, Payday 2 sera gratuit sur PS3, et ça c'est plutôt cool, et je me suis dit, mais tiens, en fait j'ai une démo de Payday 2 qui est dans ma PS3 depuis un bail, et j'avais jamais essayé le jeu en question, et je me dis ça peut être une bonne idée d'essayer la démo du jeu, après je vous ferai des vidéos sur le jeu Payday 2 quand il sortira sur PlayStation Plus, sur le PlayStation Network, en... le PlayStation Store plutôt. J'ai un peu de mal, je vais essayer de me remettre dedans petit à petit. Donc voilà, Payday 2, je n'ai jamais fait la démo et on va découvrir ensemble. Alors en fait, ce qui me perturbe, c'est... En fait, quand j'arrive dans un écran de menu, en fait, c'est ça qui me perturbe depuis tout à l'heure. Dans un écran de menu, généralement, j'ai l'habitude d'avoir un... Alors, attendez, je vais écarter un peu le micro parce qu'apparemment, je suis en train de gueuler dans le micro alors que c'est pas du tout le cas. Donc, j'ai l'habitude, quand on arrive dans un petit menu de présentation d'une démo, d'avoir de la musique dans les oreilles. Et le souci, c'est que cette fois-ci, il n'y avait rien du tout, et c'est ça qui me perturbait, et c'est pour ça que j'arrivais pas à faire mes phrases correctement. Et maintenant, là que j'ai du son, maintenant j'ai du son dans les oreilles, ça va mieux. C'est bizarre, hein. Je suis bizarre comme fille, hein. N'essayez pas de comprendre. Ça commence bien, cette découverte démo. Alors, Planck, vous n'avez pas visé à Planck, la rejoindre maintenant. Peut-être, je ne sais pas. Écran... vous savez quoi, comme d'habitude, on va... Comme d'habitude, on va découvrir les touches en même temps. Il y a que ça, hein, parce que ils ont beau nous coller un petit schéma qui est très très joli, hein, de la manette PS3, mais généralement je retiens pas les touches. C'est un peu stupide, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. On a une petite mémoire. Alors, d'accord, il y a quelqu'un qui parle derrière. Bon, ok, il parle anglais, on s'en fout. Alors, la planque est votre nouvelle maison, votre forteresse, votre lieu de contemplation, l'endroit où votre argent prend forme. La planque est un endroit conçu pour améliorer vos compétences dans un environnement détendu. Vous pourrez y tester vos armes, des aspects techniques comme l'ouverture des coffres ou la neutralisation des caméras, admirer vos tonnes d'argent et même acheter des objets qui feront l'envie de tous les escrocs d'ici à la Maison Blanche. Eh bien, c'est cool. Pour le moment, j'ai que quelques petits objets, notamment le fusil Anker, Amka, le pistolet Shimano 88 et un joli petit costume de pièce. Hein ? On a le parfait équipement pour braquer une banque. Bah, taillot. Alors, en fait, c'est un jeu, je pense, qui est très axé sur la coopération en général. Et je pense que ça pourrait être... C'est pas un jeu que j'aurais acheté directement en Day One dès sa sortie. Je sais pas ce que les gens en ont pensé d'ailleurs du jeu. D'accord, je peux pas passer... Ah, peut-être qu'il faut que je fasse le tour. Oui, ça peut être une bonne solution. Déjà que je comprends pas, il y a toutes les infos qui sont marquées à l'écran. Donc je pense que ça peut être un jeu pas mal. Alors j'essaierai par la suite de vous faire des vidéos avec d'autres personnes sur ce jeu. Pour que ça soit bien sympa, faire des petits braquages à plusieurs. Ça peut être bien cool. Alors là, apparemment, il faut que je rejoigne la planque. Alors, je dois attendre l'appel d'un certain Bane. Bah, au moins, c'est cool parce qu'avec cette démo, je vais pouvoir me familiariser un peu avec les touches et tout le bazar. Alors, comment on fait pour répondre? Oh, magnifique skin du téléphone. Très moche. Ah, je... Attends, j'espère que vous avez eu des vacances dignes d'un véritable breaker. Vous avez travaillé dur et avez mérité un peu de repos. Mais nous avons encore besoin de vous. Pourquoi j'ai un minuteur en haut? Je fais rien de spécial. Il y a une salle derrière la cuisine. Allez-y, je vous ai préparé un kit de démarrage. Ok, j'avais pas eu le temps de lire démarrage. Mais en tout cas, c'était le kit de démarrage. Alors, en tout cas, sachez que j'essaierai de vous mettre la découverte démo assez rapidement. Parce que sinon...
Bon, déjà, je suis plus dans le fil d'actualité, hein, à l'heure actuelle. Donc, ça me semble. Ouais, je suis un peu dépassée, mais c'est pas grave, j'ai pas eu le temps, en fait. Et j'ai pas eu l'idée de vous faire une découverte démo sur cette démo, en fait. Je sais pas. Enfiler, oui, je vais peut-être enfiler. Ah, d'accord, faut un petit temps de préparation. Et après, je sais que par la suite, on peut s'acheter des magnifiques masques et tout. Ok, bon, il y a un autre colis qui m'attend et il y a les portes qui s'ouvrent toutes seules et ça c'est beau. On pourra améliorer ses armes, ses équipements, j'ai vu quelques vidéos et tout. Après, je pense qu'il y a un scénario, mais je me suis pas attardée plus que ça, j'ai pas eu envie de me spoiler le jeu. Hein? What? Ramasse-le, c'est l'argent blanchi. Ouais, mais attends, faut que je... Oh, allez, voilà. Premier problème, faut que j'aille quelque part en particulier? Ou il faut que je tire sur quelque chose. Alors attendez là. Désolée, j'ai pas lu, donc ce qui fait que je suis un peu paumée. S'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire? Prenez le kit. Ah, ils m'ont dit... Ah, mais il est par terre, j'avais même pas vu. Oh là là. En fait, il y a un tout petit halo jaune tout autour. Bah, heureusement que j'ai pas mis 3 quarts d'heure pour trouver le sac. Ça commence bien, dis donc. Pourquoi je... Ah, je penche sur le côté. Ah oui, regardez ça là. Bon, il est pas en train de tituber, hein, il est dans un état tout à fait normal. Mais c'est qui? Ah mince, je l'ai lâché. Bon, bah, je crois que j'ai trouvé la touche pour balancer le sac. C'est déjà pas mal. Donc c'est pas là. Il y a pas moyen de courir dans le jeu. Bah, bon, je pense que si, mais vu que j'ai le sac avec moi, ça va pas être facile. Oh. Oh, qu'il est mignon, j'avais pas vu lui. Allez, vas-y, jette. C'était à côté. Allez, hop, dessus. Ah, c'est une manière de poser le sac. Alors, j'ai encore écarté un peu le micro. Ou peut-être pas autant. Hein. Alors, hop. Oui, bah attends, pick the money. Attends. Oui, je prends tout. Eh bien, c'est cool. Ah ouais, non, parce que là, il y a un problème. Hein. Moi, je veux pas de cette statue dégueulasse. Hein. En plus, ils lui ont mis du rouge à lèvres. Et très mal mis, d'ailleurs. Elle est pas... Ah d'accord, en plus, j'étais en train de dire qu'elle était très moche, mais apparemment, ça permet de... Ah oui, de partager. Ah bah. Et je suis désolée, si je devais cacher une pièce secrète, je mettrais pas une énorme statue qui dirait « Hé, attention, il y a un secret juste ici !» C'est vrai que c'est un peu gros quand même comme statue. Ouais, la planque... Ouh, petit ralentissement qu'on adore. Oui. Et pourquoi j'ai pas le droit de marcher? Ah bah disons que j'avais pas le droit de m'avancer. Ah, c'est normal que les images soient dégueulasses comme ça. Il faut vraiment changer la qualité de nos caméras, il y a un problème. Hein. Comment voulez-vous faire un casse si on ne voit rien? Bon bah, Jimmy, il a l'air d'avoir 2 taches noires. C'est peut-être des gardiens ou c'est peut-être des clients de la banque, je sais pas. Bah tu te démerdes, entre autres. Ah bah on est mal parti. Ah bah, ouais, bon la qualité des caméras c'est pas top. Hein. C'est pas de la HD, je suis désolée. Hein. C'est pas de la haute définition, ça va pas là. Donc apparemment, on a notre planque ici. Ah. Il y a des gens suspects. Je suis censée faire quoi là? Apparemment, il y a plein de trucs, mais... Enfin, c'est cool. Il y a des caméras un peu planquées dans la maison. Hein. C'est pas Secret Story, mais c'est pas loin. On va vous filmer 24 heures sur 24. En fait, ça demande peut-être toutes les pièces qu'on a. Et là, en fait, ça doit être des salles d'entraînement. J'ai... Voilà. Peut-être s'améliorer au niveau du crochetage des serrures. D'accord. Et je suis censée faire quoi? Ouais, mais j'ai vu les caméras. Ah, attendez, il y a des trucs qui apparaissent. Et là, c'est quoi ça? Alors là, on a les résumés des missions, peut-être. D'accord. J'ai reçu 0$. Ah bon, pourquoi? Ah si, ça. 5 000$. Bah oui, quand même, j'ai ramassé de l'argent, c'est pas pour rien. Compte offshore, 4 000. Et en liquide, oui, il faut toujours avoir 1 000$ en liquide sur soi.
J'ai débloqué un gilet balistique et un fusil AK. À l'achat. Bon, ça, on s'en fout après les stats, hein. Vous me direz, j'ai pas fait grand-chose. Ah oui, il y a une histoire de cartes, en fait, à choisir. Et vous pouvez avoir certaines améliorations assez sympathiques. Où je crois que vous pouvez gagner des objets. Alors, je dis peut-être n'importe quoi. Bon, allez. Droite. Ah, quelle attente. Et j'ai quoi, là? Bon, bah, je crois que j'ai gagné un truc de merde. Je crois que j'ai gagné des couleurs dégueu. Bah... Bon, bah, j'ai pas de bol. J'aurais peut-être dû... En tout cas, j'avais... Je crois que j'ai vu, il y avait deux cartes de la même catégorie. Il y avait une carte où c'était un peu... C'était une carte différente. J'ai pas eu de bol. Crimnet. Rejoignez un plan, choisissez votre carrière. Alors après, je sais pas où il faut aller. Oui, acheter la version complète. Bah non, je vais pas le faire maintenant parce qu'il va sortir sur PlayStation Store. Donc. Et je suis censé faire quoi là? C'est fini là? C'était ça la fameuse démo? Ah bah c'était court, hein, donc. Non mais je m'en fous. Bon après les histoires d'amélioration, on va pas regarder ça dans le détail, je verrai ça quand... Ah, attendez. Il y a l'air d'avoir un truc là. Eh ben j'accepte. Je m'en fous, je vais pas regarder mais j'accepte. Connexion à la partie. J'espère que c'est pas une partie en multi avec d'autres personnes, hein, parce que je suis un peu une bille, hein, qu'on pourrait le dire. Bah c'est cool parce que je croyais vraiment que la démo elle s'arrêtait à l'heure. Je me dis, oulala, dans quelle démo on atterrit. Le début de la démo était bizarre. Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse plusieurs trucs dans l'appart, enfin dans la planque, mais apparemment j'ai un peu rushé le truc. Ah, je suis avec d'autres personnes. Eh bien c'est cool. Je sais pas si ces gens-là, ils ont la version complète du jeu. Bah ouais. Je suis ready, mais j'y suis pas encore. Bon alors, apparemment, c'est le braquage d'une banque moyenne, mais ça ne veut pas dire que ce sera facile. On veut le cash, vous devez entrer dans le coffre, utiliser la perce, ouvrir le coffre, prendre l'argent et s'échapper. Et en plus, le contact a caché la perceuse derrière la banque, et ça c'est cool. Bah c'est bien parce que pendant le temps de connexion, j'ai pu lire un peu le petit briefing. Ça aurait été un peu bête quand même que j'arrive sur le braquage, le lieu du braquage. Bon les mecs, on fait quoi là? On braque une banque mais... Oh! Assez ralenti mignon. Ah non, c'est bon. D'accord, apparemment j'ai atterri dans une partie en cours. Eh bien c'est pourri parce que j'ai pas tout compris. Ah, il a été abattu. Bah c'est pas grâce à moi qu'on va le sauver. Faut les sauver ou pas, à votre avis? Alors, R2. Eh, vas-y, tiens le coup! Je viens juste d'arriver dans le jeu, tu as confiance en moi! Je suis niveau 1! Oh là là! Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire, les gens, là? Assaut de police en cours, d'accord. Percer le coffre. Et where is the coffre? The coffre is in the kitchen. Ah! Ah non, mais ça, c'est les caméras, on s'en fout, ça. Ah, attendez deux secondes. Ah, la perceuse, elle est là-bas. Ah, elle est en train de percer, bah ok. Oula, il m'a fait peur, je croyais que c'était un policier. Et elle termine dans combien de temps? Dans 2 ans? Dans 3 ans? Dans 4 ans? Oh, il m'a fait peur lui aussi. Ok les mecs, bon. Je viens juste d'arriver dans le braquage, c'est tout à fait logique. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ouais, prenons la thune. Je vais remplir mon sac. J'ai pas le droit de prendre le sac. Et quoi? Pourquoi tu tires dessus? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouh! Ah ouais, mais bouge-toi aussi! T'es un peu en plein milieu! Je vais tuer des gens! Ouf! Ah oui! Assez violent quand même pour une première! Par contre, j'ai pas l'impression que je tire sur lui là. Allez! Je vous avoue, je suis un peu perdu là.
Oh! Non! Je veux pas aller en détention! Allez! C'est quoi, c'est un ennemi ça? Mais c'est pas avec mon petit pétoir que je risque de faire quelque chose? Et à votre avis, je peux changer? Je m'en fous, je continue à lui tirer dessus. Ah, c'était un magnifique braquet. J'ai rien capté. Je pense en plus, je suis arrivée en cours de partie et... Mais ouais, mais c'est complètement stupide. Dans ce cas, il faut nous... Je trouve pas... D'accord, je veux bien comprendre pour une histoire de d'élimination en équipe et tout ça. Il y a pas de problème. Mais par contre, pour une histoire de braquage, se ramener en plein milieu du braquage, c'est un peu spécial. Hein. Eh bien les gens, c'était un très beau braquage. Je sais pas combien de temps avait duré cette découverte démo. En tout cas, bah... je vais essayer déjà de faire ce braquage-là. Je sais pas si je vais le réussir, mais en tout cas, je vais pas passer non plus trois quarts d'heure là-dessus. Et peut-être voir s'il y a d'autres braquages disponibles pour voir sur la démo, mais peut-être pas. Hein. Je pense qu'un braquage... Ils ont donné la possibilité de faire un seul braquage sur la démo. Mais c'est vrai, c'est un peu spécial parce qu'on est un peu balancé comme ça à l'aveuglette. Alors... Et je vais peut-être regarder tout cette fois-ci au niveau de la manette, ça pourrait être pas mal. Mais je pensais pas que ça allait être en multijoueur. Est-ce que... Non, ne répondez pas d'ailleurs à la question. Enfin, c'est une question pour moi-même, hein, mais j'aurai la réponse de toute façon quand j'aurai le jeu avec le PlayStation Plus. C'est avec... est-ce que c'est... Ça peut se jouer en solo ou c'est forcément que du multijoueur. Si c'est du multijoueur, ça risque d'être... Bah c'est bien aussi, hein, y a pas de souci, mais c'est bien aussi d'avoir une partie solo. Je sais pas si ça fait les deux. À voir. Ah non, par contre, l'autre qui est pas prêt... Par contre, je veux bien cette arme-là, moi. Bah apparemment, je l'ai avec moi. Moi, je suis Dallas. Je m'appelle Dallas. Dallas de l'univers impitoyable. Ah, bah, par contre, là, il y a Chains. Là, tu bouges pas, là. Qu'est-ce que tu fais? Bon, là, on a nos petits plans. Donc, il y a la fameuse perceuse qui est cachée à l'arrière de la banque. On a le flouze. Et les petits dollars sur le côté. Et apparemment, il y a des portes de sortie au rez-de-chaussée. Je crois que c'est des portes, hein. Ah, c'est génial, je ne peux pas sortir de ce plan. Oh là, ça bug un peu, là. Oh là là. Je suis prête. Ah, c'est cool, parce que j'ai le plan en plein milieu. Oh. Comment j'ai fait pour sortir de ce plan, la noix, là? À l'aide! Au secours! Bon, on est obligé de se taper ce truc-là. On ne sait pas si l'autre joueur va se motiver à mettre prêt. Ah si, c'est bon. Ouf! Alors, planquer la perceuse thermique pour le coffre de banque dans le parking. Trouvez-la, surveillez les gardes, gardez un. C'est pourquoi il y a un slash, là. Enfin, pas un slash, un tiré du bas, mais... D'accord, bon. À mon avis, il disait qu'il fallait qu'on prenne en otage un policier, hein. C'est probable. Tout à fait probable. Let's get it over. Okay, be cool. Let's get it over. Alors, ah oui, préparer le masque, ça peut être une bonne idée, ouais. Oui, parce que sinon on va voir ma tête, alors c'est un peu stupide. Ah oui, d'accord, on s'est fait repérer par les caméras. Ah bah c'est cool. Eh bien, c'est cool. On s'est déjà fait repérer. Ah bah, j'avoue, on est un peu suspect, hein. Vous me direz. On est avec nos masques, on rentre dans une banque comme ça. J'arrive. J'ai la perceuse. Faut juste que je la place. Comment je fais? Eh bien, c'est cool. Je ne sais pas comment placer la perceuse. Oh, je sais pas. C'est moi qui ai la perceuse? Bah oui, mais... Ah, nous sommes devant un problème métaphysique. Qu'est-ce que... Ah, je dois peut-être pas laisser la perceuse thermique. Mais non, mais je veux bien, hein, y a pas de souci, j'ai beaucoup de volonté. C'est juste que je crois que je l'ai sur moi, mais... Bah attendez. Bon, c'est peut-être pas le moment. Hein.
Parce que... hop. Ah, c'est bon, j'ai trouvé la touche pour changer d'arme. Triangle. Bon, bah vous savez quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire. Parce qu'apparemment, il... Ah, il y a peut-être un truc à récupérer là-bas, là. Attendez. C'est quoi, là? Je prends le sac. Ah, bah là, voilà la perceuse. Ça va être un peu mieux, là. Donc, j'ai la perceuse. Ah bah j'arrive, j'arrive. Enfin, je crois. Bon, vu que mon écran est penché, je suppose... je suppose que j'ai la perceuse. Bon, est-ce que là, je pourrais avoir... Et là... L2. Ok! R2. Voilà, voilà. J'arrive, j'arrive. Je mets un peu de temps, mais... Voilà, c'est bon, j'ai capté. Alors... C'est un peu déroutant, hein, parce que... Je me suis pas trop informée sur le jeu, ce qui fait que je suis un peu paumée, quoi. Et sinon, ouais, faudrait peut-être gérer toutes les entrées, là. Ça, c'est quoi? Ah non, ça, c'est du C4. Crocheter la serrure. Je sais pas ce que c'est, mais... D'à côté, il vaudrait peut-être mieux qu'on laisse ouvert la... Cette fameuse... Non, fermée plutôt, parce que si on l'ouvre, ça risque d'être... Ça reste d'être un peu compliqué. En fait, ce qui me perturbe, c'est qu'on n'a pas... Ah. Ouf. Abritez-vous. Il est un peu... Ouh. Je vois pas d'où ça tire. En tout cas, il y a pas... Il y a l'air d'avoir pas mal de grabuches dehors. J'hésite un peu à y aller dehors, mais... Mais il est un peu allé à la one again, lui, hein, quand même, hein. À l'extérieur, je serais pas allée, hein. Attendez, je vais peut-être me mettre en couverture, là. Ah! Oh là là! Il y a du recul, hein. Ah, c'est cool! Il a été arrêté, c'est génial! Notre braquage se passe sous les meilleurs auspices. Mais il n'y a plus personne, là? Tout le monde est mort ou quoi, là? Oh, il a rien, j'ai pas de matos. Comment voulez-vous que je fasse, moi? Oh mon dieu. Oh mais tout le monde s'est fait arrêter quoi. C'est un peu la mouise les gens. Hein. Ah je vais me soigner. Enfin, je sais même pas si j'en ai besoin d'ailleurs. Ah non en fait j'en ai peut-être pas besoin. Je fais tout de travers. Ça c'est la sécu. Dis donc cette perceuse elle est pas terrible hein. Tu l'as dû aller... Tu as dû l'acheter à Brico Dépôt. Donc elle est pas terrible du tout, hein. Parce que là... Alors attendez, là. Oh, mais c'est impossible. Il faut leur mettre combien de balles, à votre avis, là? Ils ont mis qu'il y a peut-être un niveau de difficulté. Oh, attends, on va tirer par rafale, ça va être peut-être mieux. Ah oui, ouais, c'est mieux, ouais. On peut pas fermer la porte, ça peut être cool, je pense. Allez, crève! Laisse-moi faire mon braquage tranquille. En plus, il y a l'ennemi qui... Enfin, l'ennemi. La police. Le policier qui a l'air de bugger. Ah, il y a les deux qui sont en tôle. C'est... Ah oh, mon dieu. Oh, non. Je suis un peu bloquée, là, quand même. Oh, c'est le... Je me suis fait, mais... entourée, là. Oh, ah, secours. Non. Ah, je me suis fait paralyser, quoi. Un coup de taser et ça m'a calmé quoi. Oh. Ah ça m'a calmé direct. Oh. Oh. C'est dur comme jeu quand même hein. Je m'en fous, je vous tire dessus. Ah c'est... Ah c'est chaud hein. Ouais bah ça va, c'est bon hein, je suis au sol hein, ça sert à rien de me continuer de me tirer dessus. Ah ouais. Ah ouais, 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 c'est chaud, hein. D'accord. Eh ben, c'est un jeu qui est assez difficile. Je sais pas s'ils ont choisi un niveau de difficulté, peut-être qu'il y a moyen de choisir un niveau de difficulté au niveau de la mission en question, mais oh, c'est chaud, c'est chaud. À mon avis, je pense, si on veut faire un braquage assez efficace, faut être avec des gens. Il faut être avec des gens, voilà, c'est mieux, ouais.
qu'on connaît, avec qui on peut parler, je pense, parce que c'est le seul moyen pour pouvoir faire quelque chose de mignon. Et c'est vrai que là, on nous balance un peu dans la mission en question, et puis on n'a pas trop d'informations, on n'a rien du tout. Donc c'est assez difficile. Bon, bah, je pense pas que je vais continuer là-dessus, parce que vu notre niveau actuel et le problème de compréhension, et vu que c'est une mission qui a l'air assez difficile, bah, je pense que je vais vous laisser là-dessus. De toute façon, c'est une découverte démo. Donc voilà, je vais pas passer ma vie non plus à vous faire une vidéo de 50 minutes sur une démo, et surtout à vous refaire à chaque fois la même mission de braquage. Et à chaque fois, on n'a pas bougé. On s'est fait arrêter assez rapidement. Hein. En début de mission, on nous a calmé un coup de taser, et puis là, on était par terre, et puis ils nous ont bien calmé, les flics, donc... Je suis un peu sceptique quand même sur la démo là, vu la manière dont ça nous a un peu, ça m'a calmé hein, parce que je pensais vraiment qu'on allait pouvoir faire quelque chose de joli, mais je pense aussi qu'il faut bien connaître la carte entre guillemets avant de commencer quoi que ce soit. Il y a pas moyen que je quitte le truc. Ah non, je suis obligée de rester. Ben non, je serais obligée de faire. Ben, tant pis, je mets pas prêt comme ça va pas lancer. Ah mais quoi que, rémunération. Je sais pas si c'est avec les têtes de mort, c'est le niveau de difficulté, j'en sais rien. Bon, je suis un peu sceptique. C'est pas un jeu que j'achèterai. Vu la tête de la démo, là, je suis vraiment sceptique. Mais de toute façon, c'est pour ça que grâce au PlayStation Plus, je vais pouvoir voir le jeu en général. Est-ce que c'est un jeu qui me tente ou pas? Bah, je le verrai. Et je vous ferai des vidéos par la suite pour vous montrer que j'aurai amélioré mon skill pendant ce temps-là. Et bien, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette découverte démo. Et moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut !